Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche pour votre émission hebdomadaire Débat de presse, une tribune qui permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des décryptages, des analyses et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale. Alors pour ce dimanche, quatre sujets sont au menu. Nous parlerons de la situation sécuritaire et des déplacements des populations dues aux attaques terroristes dans le centre-nord et le Sahel burkinabé. La crise qui secoue l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, est au menu de Débat de presse de ce 30 juin. Nous parlerons également de la sortie médiatique du médiateur du Faso Maïsa Sérémé, qui s'est exprimé sur certaines affaires pendantes de la justice. Enfin, nous dirons un mot sur la fronde sociale au Burkina avec les nombreuses grèves et mouvements d'humeur enregistrés au cours de cette semaine. Vous le constatez donc, nous ne parlerons pas de sujets au plan international. Tous les quatre sujets concernent le plan donc national. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale, donc je suis en compagnie de trois confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Lionel Bilgo de Temeneis Media. Bonjour. Bonjour. Aimé Kambiré des éditions Sidoya est avec nous. Bonjour. Bonjour Sagnon. Bonjour à tous. Paul Miki Rwamba de Ouaga FM également autour de la table. Bonjour. Bonjour Sagnon, mesdames, messieurs. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le centre-nord et le Sahel burkinabé continuent d'être la cible d'attaques terroristes. Le 18 juin, 17 personnes à Bélé et donc à Tongomayel ont été abattues par des terroristes. Le 22, 15 personnes ont été assassinées à Barsalgo. Deux gendarmes ont perdu la vie dans une embuscade contre une équipe de la gendarmerie sur le tronçon Gorgadji-Abinda. Le 25 juin, encore deux personnes, dont le chef du village de Gibga, ont été assassinées. Alors, à Pisila, des questions se posent en tout cas sur l'opération Ndofu qui est donc en cours dans cette partie du Burkina, une partie également où il y a eu récemment en tout cas de nombreux déplacements de populations qui donc tentent de quitter ces zones pour se réfugier dans des zones beaucoup plus donc sécurisées. Alors, que vous inspire cette situation dans le Sahel et le nord du Burkina ? Bilbo. Ah oui, écoutez, c'est une situation inquiétante, vous venez de le dire. Effectivement, là où il n'y a pas de sécurité, les populations migrent vers beaucoup plus de quiétude, beaucoup plus de sécurité. Donc c'est normal, c'est cette vague humaine vers Ouagadougou et vers des zones beaucoup plus sécurisées. Maintenant, il faut remarquer que avec la montée en puissance de notre armée, on se rend compte que les assassinats ciblés se multiplient maintenant plus que des attaques organisées et tous azimuts. Vous venez de citer des chefs qui se sont fait assassiner. Donc c'est comme si on quittait d'une guerre terroriste vers une guérilla rurale entre forces armées et puis ces terroristes-là. Effectivement, il faut que le gouvernement mette en urgence des plans d'accueil de ces personnes-là. Le Burkina n'avait jamais connu ça. Donc on va constater quelques tâtonnements, quelques erreurs, mais en tout cas, ces personnes-là doivent être accueillies et on se demande vraiment jusqu'où ça va aller. Oui, alors, Kambiré. Se poser véritablement des questions à l'heure où nous en sommes. Qu'est-ce que le pouvoir central attend de la population? Qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Parce que peut-être qu'il faut encore du temps, mais on voit qu'il y a des mouvements de population. Sur le plan national, il y a autour de 80 enfants. Il y a plus de 200 personnes déplacées. C'est les conséquences. C'est déjà difficile pour nous de gérer. Et ces gens-là qui perdent leur champ, leurs moyens de production, risquent d'aggraver la situation alimentaire pour les années à venir. Donc, on voudrait savoir exactement quel est l'impact de cette opération Ndofu et quelle doit être la contribution de tout un chacun. Moi, je pense qu'il va falloir commencer à penser sérieusement à militariser le Burkina Faso et à reconvoquer un peu le service national pour tous les jeunes, afin que peut-être tous les enseignants, tous les infirmiers,
tous les représentants de l'État qui seront affectés soient déjà formés au béaba de la question militaire, parce qu'on ne sait pas quand, jusqu'où ça va s'arrêter. Il y a des pays qui ont appris à vivre avec le terrorisme. Ce n'est pas la même chose si vous prenez l'État juif d'Israël. Voilà, ils vivent avec... Oui, là-bas, le service militaire est obligatoire à partir de 18 ans. Trois ans obligatoires à passer dans l'armée. Il y aura la collaboration, mais il va falloir une collaboration beaucoup plus active qui va au-delà des informations, parce que jusque-là, ça ne porte pas de fruits et les conséquences commencent à être dramatiques. Et il faut s'attendre à ce que peut-être cette migration, la population, où on dit c'est à l'interne, commence à déborder et à causer d'autres problèmes, notamment avec des pays voisins qui pourraient... Le Burkina, qui accueille déjà des migrants du Mali qui ont dû fuir donc, l'insécurité au Mali et s'installer dans cette région dont nous parlons. Est-ce que la réponse justement à cette vague de migration est à la hauteur de ce dont on doit s'attendre, Paul Micky? Non, moi personnellement je ne suis pas satisfait justement de la réaction de l'autorité par rapport à cette situation que nous vivons, notamment avec le flux de migration. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand le Burkina, dans sa partie nord, accueillait les réfugiés du Mali, on était loin d'imaginer qu'on allait avoir une situation pareille dans notre pays, avec ces déplacés internes qui se comptent aujourd'hui par milliers, pour ne pas dire par dizaines de milliers. Alors j'ai fait le constat également que jusqu'à ce jour, on n'est pas à mesure de donner une situation claire sur les réfugiés que nous avons dans d'autres localités, parce que lorsqu'on regarde un peu les informations qui nous parviennent, ces réfugiés se trouvent dans les localités de Bassalgo et de Foubé, ce qui est presque officiel parce qu'il y a eu des sites qui ont été aménagés à ce niveau. Mais on parle de moins en moins de ces milliers d'autres réfugiés qui se retrouvent dans d'autres localités, même jusqu'au sud de Burkina, dans les localités de Manga, et à Ouagadougou même, on en a rencontré. Donc c'est une autre grande question qu'il va falloir régler dans le grand chapitre de la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des conséquences, évidemment, de la lutte contre le terrorisme, enfin, la question d'insécurité que nous vivons, et sans oublier qu'il y a également, sur le plan éducatif, des centaines d'écoles fermées, et dont on parle de moins en moins, malheureusement. Maintenant, bien sûr qu'il y a des zones où les examens scolaires ont été purement annulés, parce que c'était quasiment impossible d'organiser ces examens dans ces zones. D'ailleurs, avant les examens, il n'y a pas eu de classe pratiquement dans ces écoles. Quand on imagine justement ces localités où les écoles ont été complètement fermées, il va sans dire qu'il ne peut pas avoir d'examen là-bas. Et même si l'année dernière, on a fait des efforts pour avoir des séances de rattrapage, cette année, on n'en parle pratiquement pas, en tout cas pas pour l'instant. Mais alors, ce que je voudrais dire également sur la question terroriste au Burkina, c'est que nous sommes malheureusement, comme Kambiré l'a dit, en train de nous inscrire dans une dynamique de perpétuation de cette situation d'insécurité. Moi, c'est ce qui me désole le plus et c'est ce qui m'inquiète. Parce que quand on regarde même la recrudescence des attaques terroristes, on a l'impression que ça ne recule pas, malgré tous les efforts qui ont été fournis, aussi bien par le gouvernement du Burkina que par l'armée nationale qui a déployé en tout cas ses hommes dans certaines localités. Et même en termes de sensibilisation des populations, dans la dynamique de la collaboration avec les FDS, on a l'impression effectivement qu'il y a encore du chemin à parcourir, cela d'autant plus qu'on constate qu'il y a, comme vous l'avez cité ici, une série d'assassinats, d'actes terroristes qui sont en train d'être perpétrés. Et il y en a beaucoup plus que ce que vous avez dit. Ça, c'est ce dont on est au courant. Et il me souvient que dans les localités de Séba, dans la province du Yaga, il y a des actes pareils où des terroristes font irruption dans les villages. Ils chassent pratiquement les populations qui vont donc se tasser dans le chef-lieu de la province. Donc ça, ce sont des situations, autant de situations qui sont très peu médiatisées, mais qui sont assez alarmantes au niveau donc, de notre pays. Donc nous sommes dans une dynamique où il va falloir effectivement mener cette lutte-là avec beaucoup plus d'ardeur. C'est bien oui, justement, mais avec l'opération Dofou, on s'attendait peut-être à voir ce qui s'est passé, par exemple, à l'Est se reproduire dans la région du Centre-Nord et du Sahel, mais peut-être qu'on ne dira pas que les résultats tardent à venir, mais ça va moins vite, en tout cas, que ce qu'on a vu à l'Est du pays. Bilgo. C'est parce que, tout simplement, on n'est pas dans les mêmes configurations. À l'Est, vous aviez le grand banditisme qui avait un certain poids quand même sur les actes terroristes. Au nord, c'est complètement du terrorisme absolu. Et puis vous regardez le côté frontière, le Burkina partage à peu près 3000 km de frontière au nord du Burkina avec le Mali, et le Niger. Oui. Donc vous voyez, il y a une large zone à couvrir, moins que le côté est, là où effectivement l'armée avait plus d'entrain à agir. Et puis ici aussi également, vous avez ce que moi j'appelle en fait la zone triangulaire en fait du terrorisme. C'est justement ce côté nord,
là où vous avez le côté Niger, d'ailleurs, la vague humaine qui se dirige vers Ouagadougou, vers le centre, explique cela. Sinon, on aurait eu une partie au moins qui se dirigeait vers l'autre côté de la frontière. Malheureusement, ils ne vont pas de là-bas parce qu'ils savent aussi qu'il y a un autre danger là-bas, des deux côtés de la frontière. Donc, c'est une zone carrément beaucoup plus large que l'Est et une zone très innervée par l'acte terroriste. Maintenant, effectivement, on se rend compte que on est parti pour longtemps, en tout cas dans cette lutte contre le terrorisme, surtout avec cette stratégie-là. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à trouver d'autres stratégies beaucoup plus endogènes, à impliquer les populations, comme le disaient tout à l'heure mes deux confrères, et surtout à travailler à ce qu'il y a, une thérapie après action. C'est comme dans l'Est, hein. On a eu une Doufou. J'espère que l'Est ne va plus retomber. Est-ce qu'il y a à l'Est. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une thérapie après ce choc-là? Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi la question de l'attrait des populations vis-à-vis des forces armées. Oui, justement, au-delà des questions militaires, hein, il y a la piste des négociations qui avaient été donc ouvertes ou entrouvertes, en tout cas entre-temps, avec cette lettre de l'ancien président qui avait été écrite donc pour au président du Faso. On a cru entre-temps, en tout cas, qu'on allait peut-être s'engouffrer peut-être dans cette négociation que certains qualifient de souterraine. Mais jusqu'à présent, on semble en tout cas s'éloigner de plus en plus de cette piste. Moi, je pense que le mot négociation, c'est ce mot-là qui fait peur ou qui crée des réticences. Tous les pays du monde ont ce qu'on appelle un fil rouge conducteur vers le terrorisme. Pour connaître son ennemi, pour abattre son ennemi, il faut le connaître. Et il faut avoir ce lien-là. Et donc, on peut ne pas l'appeler négociation, mais toujours est-il qu'au moins au niveau des renseignements, il y ait ce qu'on appelle des indicateurs qui permettent parfois de créer un contact direct avec ceux qui nous attaquent, au moins pour comprendre leur mobile, premièrement. Deuxièmement, pour les identifier, parce que tant qu'on ne va pas les rechercher, on ne saura pas où est leur base. On a beau couper les racines, on a beau couper les branches, il y a les racines qui existent toujours. Et donc, troisièmement, créer justement ce contact-là, l'identification, et puis peut-être démarrer une discussion avec ces personnes. Discuter ne veut pas dire qu'on capitule. C'est au moins une discussion qui peut servir de mise en garde, de menace absolue, etc., etc. Et tous les pays du monde le font. Et moi, je pense que c'est une des pistes. Peut-être que le mot négociation est un mot qui dérange certains. Enlevons le mot négociation, mettons autre chose. Et toujours est-il qu'il faut mener plusieurs stratégies face à cette guerre-là. D'accord, oui, Kambi. Moi, je voulais revenir juste sur les résultats. On ne sait pas, c'est une stratégie de communication. On sent que le gouvernement veut maîtriser plus ou moins l'information qui circule autour. En tous les cas, les résultats positifs ne nous parviennent pas. Alors que, au contraire, les actes... Les réseaux sociaux qu'on attend quelquefois des résultats. Cette semaine, par exemple, on a entendu dire qu'il y a eu la présence de cette opération. Qu'il y a eu des frappes aériennes sur une forêt. C'est comme si la présence, ça n'a pas eu d'impact, voire même ça a aggravé la situation. Et c'est le moment d'interpeller le gouvernement. Il y a certaines actions, peut-être que le gouvernement accepte, notamment, par exemple, le tribunal de Djibo, qui est délocalisé, si mes sources sont bonnes, à Ouagadougou, ici, désormais, pour établir un certificat de nationalité. Peut-être, si vous êtes habitant de Djibo, c'est à Ouagadougou que ça se fait. Donc, ce genre de choses n'améliorent pas l'image du pays et surtout la conscience de la population. Si la justice dégage et de Djibo, vous voyez que ça va créer d'autres psychoses. Donc vous trouvez que la communication autour... Donc, je ne sais pas, parce que si j'avance que la situation s'est aggravée, on peut dire que c'est le contraire, mais il y a beaucoup plus d'informations sur des pertes de nos forces de défense, sur des assassinats ciblés qui nous parviennent, que sur des résultats que nos forces de défense ont obtenu. Maintenant, pour revenir un peu à la question de négociation, moi, je l'avais dit à une émission, je pense que si on laissait la presse faire son travail, la presse peut contribuer à ce que ces gens-là s'identifient. Parce que si vous lisez un peu la réaction du côté du gouvernement, vous avez l'impression qu'ils disent que c'est des bandits qui veulent des espaces libres pour mener le trafic divers. Mais on parle plus en plus aussi de tentatives de déstabilisation du pays La finalité, c'est quoi? C'est avoir peut-être des zones libres où ils peuvent mener toutes sortes de trafics, compris trafic d'armes, trafic de minerais, trafic d'êtres humains, peut-être pour alimenter des réseaux
qui sont situés peut-être même hors du continent. Mais si c'est ainsi, comment est-ce que vous pouvez négocier avec les hors-la-loi? Si c'est des revendications politiques, notamment ceux qui veulent par exemple instaurer une charia, au moins il y a une vision politique avec l'utilisation de la force. Vous pouvez vous asseoir pour négocier. Mais si c'est des bandits de grand chemin, vous allez négocier avec eux comment? On négocie pas avec un bandit. Il faut l'attaquer. Je voulais justement dire par rapport à cette affaire de négociation, je partage parfaitement l'avis de Bilgo parce qu'en réalité, il s'agit de plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Quand il s'agit de l'Est du Burkina, on a constaté que les terroristes qui étaient là-bas, c'était beaucoup plus des bandits, des gens qui voulaient exploiter les ressources naturelles. Ils étaient dans la forêt. Ils étaient dans une certaine pratique. Mais là, c'est un banditisme qu'il faut combattre. Et je crois que le Burkina a d'ailleurs une expérience dans la lutte contre le banditisme. Et c'est ça, de mon point de vue, qui a permis d'avoir très rapidement des résultats à l'est du Burkina à travers l'opération Otampoano, qui a été d'ailleurs très bien médiatisée. Il vous souviendra d'ailleurs que l'armée s'est fait le plaisir de convoyer des journalistes jusqu'à sur le théâtre des opérations pour être qu'ils soient témoins justement des résultats qui ont été engrangés par l'armée du Burkina. Mais par contre, pour le reste du pays, notamment le centre-est et la région du Sahel, il se trouve qu'il y a beaucoup plus une guerre, de mon point de vue, qui est idéologique. On a affaire à des terroristes qui viennent, qui demandent justement aux enseignants de partir ou d'enseigner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller rapidement sur la question de négociation? Prendre langue avec ces gens? Les combattre militairement? Je pense très simplement qu'il faut effectivement cette diplomatie parce qu'on nous a appris que la diplomatie et puis les armes, ce sont les deux faces de la même médaille qu'est justement la guerre. Quand on est en guerre, effectivement, on finit justement par négocier. D'ailleurs, ce ne sera pas une première. Vous savez certainement que les grandes puissances ont fini et pas se retrouver autour de la table. Mais comme Kambiré l'a dit, ici, la grande question, c'est de savoir avec qui négocier, étant donné qu'on a un ennemi qui est un peu inconnu. Alors, pour le cas global du Burkina, je crois que depuis le début des attaques terroristes, on a eu pas mal d'hypothèses qui ont été émises. Il y en a qui ont dit qu'il s'agissait d'individus qui voudraient justement imposer la charia. On a dit tantôt que c'était pour installer une katiba dans l'Est, dans la région du Sahel. À un moment donné, on a parlé d'entreprises de déstabilisation. Aujourd'hui, on parle de grand banditisme. Tout est mélangé. Et aujourd'hui, je suis désolé de constater qu'il n'y a pas de spécialiste qui soit à mesure de nous faire la part des choses entre toutes ces attaques que nous subissons. Donc, ça fait que l'armée et va donc avec les forces un peu éparpillées. On a également la justice qui a un certain nombre de terroristes sous la main. On n'a pas encore de résultats. On a certaines actions qui sont menées, mais on a l'impression que rien n'est coordonné. Mais cela peut s'expliquer par le fait qu'on a plusieurs types de terrorisme au Burkina. Donc, de mon point de vue, pour ne serait-ce que donner l'explication, il va falloir accélérer les investigations judiciaires qui ont été ouvertes pour que nous ayons ne serait-ce qu'une explication. Parce que ce qui est en train de se passer pour le Burkina, on est en train de s'inscrire dans la durée. Et quand on regarde même les actes qui sont posés aujourd'hui, notamment la modification du code pénal dont on a parlé la semaine dernière ici, ça montre un peu que ce n'est pas demain la veille, cette question de lutte contre le terrorisme. Il va falloir s'habituer à cela et c'est ça qui est dangereux de mon point de vue. D'accord. Alors, pour aller vite dans cette question, il y a la question du G5 Sahel qui est posée sur la table. Certains, en son temps, avaient parlé de pétards mouillés. Ouais. Finalement, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce G5 Sahel qui peine en tout cas à prendre forme sur le terrain, notamment la mise en place donc de cette force conjointe qui va peut-être faire face à ces terroristes ou à ces bandits de grand chemin. Est-ce qu'il faut encore avoir de l'espoir pour ce G5 Sahel? Oui, il faut avoir de l'espoir. Il y a des gens qu'on a élus à la tête de ce pays qui sont partants pour le G5. Eh bien, on comprend et on suit. Mais il y a des propos aussi qu'on a attribués au ministre de la Défense qui n'ont pas été démentis. Je suppose que c'est vraiment lui qui les a tenus. Et moi, je suis tout à fait accord avec cette position. Dès le départ, on avait dit qu'il fallait réveiller peut-être les forces de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, reconstruire plutôt que de vouloir construire une entité à part qui vous divise, parce que la Côte d'Ivoire est exclue, le Ghana est exclu. Vous allez prendre encore des années pour que ça fonctionne, vous recrutez des gens, installer des locaux, et pendant ce temps, le terrorisme progresse. Il semble ici que c'est la question financière qui grippe la machine depuis. Oui, effectivement, ce n'est pas une décision qui est venue de nous, c'est venu des partenaires. Ils disent, si vous voulez qu'on vous finance, il faut créer un G5. Ce n'était pas la volonté de ceux qui étaient attaqués. Et donc, comme je l'ai dit, malheureusement, les résultats ne suivent pas. Parce que, est-ce qu'on a besoin de G5? Est-ce qu'on a besoin d'une force spéciale?
nos forces de défense et de sécurité peuvent bien mener le combat. Nous avons besoin de matériel. Si la formation nous manque, nous pouvons solliciter des experts pour aller s'aguerrir. Mais on n'a pas besoin de créer une force. Ça, c'est mon point de vue. Mais les autorités disent qu'il faut compter avec ça. Eh bien, nous, nous attendons les résultats parce que les résultats ne suivent pas. Oui. Alors, ce qui est un peu désolant en ce qui concerne le G5 Sahel, d'abord, je dois dire que c'est une bonne idée de départ, de mon point de vue, parce qu'on a constaté que le terrorisme n'avait pas de frontières. De mon point de vue, il aurait fallu effectivement avoir cette force conjointe pour combattre le terrorisme à l'échelle de ces 5 pays. Mais on n'a pas créé une force conjointe en Europe pour combattre le terrorisme. Non, j'ai envie de dire, pour le cas de la région du Sahel, on a vu que les armées prises individuellement étaient faibles face au terrorisme. Non, c'est parce qu'il y a la mobilité. Est-ce que ce n'est pas la question de la mobilité des terroristes? Parce que ceux qui attaquent le Burkina traversent la frontière, ils vont au Niger, ils vont au Mali. L'armée burkinabé n'a pas le droit de poursuite. Ce que vous dites, Sagnon, c'est bien ce que je suis en train de dire, parce que les terroristes, je le disais tantôt, n'ont pas de frontières. On a, dans le premier temps, pour le cas du Burkina, on avait même pensé que tous les terroristes qui arrivaient au Burkina venaient du Mali et qui venaient s'aimer la terreur et retournaient donc de l'autre côté de la frontière. Et après, on nous a dit qu'il y a quand même des Burkinabés qui sont également enrôlés. D'ailleurs, on a vu des Burkinabés qui ont commis des actes terroristes qui ont été appréhendés de l'autre côté de la frontière avec le Mali. Donc, c'est pour dire que les terroristes ne connaissent pas de frontières. Donc, de ce point de vue, sur le plan stratégique, il aurait fallu effectivement imaginer une force qui ne connaisse pas de frontières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l'échelle de ces 5 pays, même si on a des situations assez différentes d'un pays à l'autre. Mais ce qui est regrettable pour le G5 Sahel, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas pressés du tout, alors que le terroriste n'attend pas. On avait l'espoir, effectivement, qu'on allait avoir cette force conjointe de 5000 hommes et qui allait donc combattre le terrorisme, notamment dans les pays où le terrorisme sévit le plus, le Mali et le Burkina. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne bouge pas trop et on parle justement des questions de financement. Et comme vous l'avez dit, on a l'impression également qu'il y a de la politique internationale dedans. Cela me renvoie aux propos tenus par le ministre burkinabé de la Défense. On a l'impression qu'il y a un manque de sincérité dans le financement justement de ce G5 Sahel. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être l'autre volet du G5 Sahel, notamment la construction des infrastructures qui pourrait donc marcher. Mais là, on est au regret de constater sans sécurité, que ça c'est difficile pas. Aussi d'entamer des chantiers dans des zones qui ne sont pas sécurisées. De l'administration également, c'est difficile de récupérer les zones qui ont été déjà perdues par les terroristes. C'est le cas du Burkina, du Mali notamment, écoles fermées, administration déployée, etc. Bilgo donc aussi cette question. Oui, mais c'est même plus dangereux qu'un pétard mouillé. C'est un pétard en activité collé dans nos mains, le G5 Sahel. Je dis ça parce que le G5 Sahel, pour moi, a plus pris une tournure économique, impérialiste, qu'une tournure de stratégie d'attaque. C'est clair. Vous voyez, des pays d'Afrique qui font face à une situation d'insécurité, qui se rassemblent et qui font la plupart, si vous comptez la plupart des rencontres et des conférences qui ont eu lieu, se sont passées en Occident que sur le continent africain. Notamment pour la mobilisation des ressources financières. Même pour le déroulement de la stratégie, l'écriture de la stratégie même. Je prends un exemple. Nous, on a rencontré des dirigeants des hauts cadres de l'Union européenne lors d'un déjeuner informel, et qui posait la question de savoir qu'ils étaient inquiets que les populations africaines pensent que le G5 Sahel est une invasion de l'Europe. Ma réponse était de leur dire, c'est normal. Si toutes les réunions se tiennent là-bas, à Paris, et c'est normal. Parce que nous, on ne voit pas ça de cet œil-là. Et il faut revenir aux fondamentaux. On vous donne de l'argent. Le Burkina ne fabrique pas d'armes. Le Mali non plus, le Niger non plus. C'est pour nous renourrir en fait l'économie de fabrication d'armes de certains pays. Prenez les chiffres, les dernières publications de la vente d'armement des pays occidentaux ces dernières années. Ouais. Ça a plus que doublé. Et le fait, c'est quoi? C'est l'insécurité créée dans les zones. Et je pense très sincèrement qu'il faut revenir, redéfinir ce G5 Sahel-là et le ramener, en fait, dans nos frontières. J'ai dit que la lutte contre le terrorisme, nos pays africains ne peuvent pas gagner ça avec les armes. En son temps, oui, mais avec les armes, c'est le nerf de la guerre aussi. En son temps, des gens, des voix, en tout cas, s'étaient élevés pour dire, bon, il ne faut pas trop compter sur l'Occident, sur les Européens, les Américains, pour le financement du G5 Sahel. Les trois pays, ou les cinq pays, en tout cas, qui sont dans le G5, pouvaient eux-mêmes faire un effort de guerre pour financer eux-mêmes ce G5 Sahel. Peut-être que si ça avait été le cas, on ne serait pas dans la situation actuelle. Non, mais on peut aller demander des financements ailleurs, mais on peut le faire aussi. Les Africains ont tout le temps l'impression qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes rassembler les financements à l'intérieur du continent. Il y a combien de pays africains? Voilà, le Ghana, par exemple, prenez l'exemple, qui ont refusé un financement du FMI et qui ont mobilisé
plus du triple de ce qu'ils voulaient sur le marché des capitaux à l'international. Ça se fait. Il faut tout simplement que l'on apprenne les rouages de la mondialisation et que l'on aille chercher l'argent là où il est. Et j'ai dit encore une fois, on ne gagnera pas cette guerre-là au niveau des armements uniquement. Il faut une autre stratégie qui allie la diplomatie, si vous ne voulez pas le mot négociation, avec l'armement. Parce que les terroristes eux-mêmes, ils utilisent les mêmes armes à la pointe de la technologie, vendues par les mêmes, parfois, que ce que nos armées utilisent. Ce n'est pas des lance-pierres que les terroristes tiennent. Et comment ça se fait? Comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Ok, alors on va fermer ce chapitre hein, parce que nous sommes un peu bousculés par le temps, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions de sécurité. Nous allons parler à présent donc de cette crise qui secoue le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Donc la crise qui continue de faire des vagues. Dimanche dernier, il y a eu une tentative de sabotage ou de perturbation, en tout cas d'une rencontre d'information entre les responsables du parti et les secrétaires généraux des provinces et des communes. Il a fallu l'intervention donc de la CRS pour assurer la sécurité et permettre la tenue de cette rencontre. Avant ça, vous avez suivi donc ce bras de fer, on va dire judiciaire, hein, qui certains donc membres du bureau politique national donc avaient esté le parti en justice et obtenu l'annulation du congrès extraordinaire du 16 juin pour non-conformité de la composition du bureau politique national au texte du parti. Alors comment finalement vous analysez cette crise au sein de l'ex-parti au pouvoir? Est-ce que le CDP justement va survivre à cette crise? Merci bien. Il faut déplorer un peu la violence verbale, puis la violence physique au sein d'un parti qui a géré le pouvoir de l'État pendant des années. Il faut regretter ça. Ils doivent toujours donner l'exemple aux autres partis et puis à la population. Cela dit, je pense que le CDP a laissé tomber un de ses principes qui faisait sa force, c'est-à-dire le consensus. Je pense qu'il y avait le premier responsable du parti, ça n'empêchait pas que tout le monde sache que c'est Blaise Compaoré qui serait le candidat. Je pense que sa désignation était soutenue par un consensus. Mais vous avez vu que lorsque Eddy Kombogué est arrivé, avec ses prétentions, ses ambitions, je pense qu'il y a eu un problème pour désigner celui qui allait piloter. Les problèmes ont commencé à ce niveau-là. Lors de ce congrès, ils n'ont pas su trouver en interne un consensus pour que le parti continue de voguer comme de par le passé. Mais est-ce que ce n'est pas normal? Parce que le grand leader étant parti, étant hors jeu, hors du pays, c'est l'argument de. Maintenant, c'est normal qu'il y ait peut-être des guerres de leadership. C'est normal, mais ça fait. Non, ce n'est pas la guerre de leadership qui pose problème. C'est la façon dont vous réglez ce problème-là. Ça fait que ça crée des factions. Et depuis lors. Vous avez vu, je pense que si je ne m'abuse, il y a Brian Badini aussi qui avait des prétentions. Il y avait Eddy, il y avait d'autres caciques du CDP. Mais l'instauration d'un vote, c'est démocratique, mais ça a laissé des traces qui se poursuivent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu qu'il y a une figure qui émerge, qui est proche du milieu du CDP, même s'il se présente comme un candidat indépendant, la personne de Kadré Désiré Ouédraogo. Et tout de suite, il a du soutien au sein du CDP. Ouais, il est soutenu en tout cas par beaucoup de caciques. En même temps, ça ne respecte pas quand même les règles de fonctionnement d'un parti qui se respecte. Du coup, il y a des sorties, comme la sortie de Mélégué Maurice Traoré, la sortie de l'autre... Achille Tapsoba, oui. Voilà, qui disent que non, il y a des règles pour désigner le candidat d'un parti comme le CDP. Mais en même temps, le CDP n'avait pas respecté ses propres règles dans la composition ou dans la formation de son bureau. D'accord, vous savez, le CDP, quand vous avez la taille du CDP, vous avez tendance à en abuser. Je pense que le CDP a oublié qu'il ne gère plus le pouvoir. En tous les cas, comment est-ce qu'il faut régler? Vous êtes en faute. Vous devrez vous voir. Et c'est à cette réunion-là qu'encore il y a eu la violence physique dont vous faisiez cas. Je pense que le problème, ce n'est pas cette faute, ce n'est pas cette irrégularité-là, mais c'est comment vous allez vous réunir pour pouvoir juguler la situation. Et ceux qui se sont opposés, ceux qui ont soulevé la question jusqu'à la justice, c'est bien, c'est républicain. Mais ces gens-là se disent que si on doit dégraisser le nombre, eh bien,
c'est eux qui vont payer. Puis c'est vous qui avez dit qu'on est trop, qu'on ne respecte pas nos textes, eh bien, ça va, c'est vous qui avez non, non, mais bon, ça, c'est peut-être que c'est à l'interne qu'on verra, c'est pas forcément. Non, c'est une interprétation, c'est une analyse. Mais je pense que la question que vous avez posée, oui, le CDP va survivre. C'est bien que ça se passe actuellement, ils ont encore une longueur avant les élections, mais si ça se passait à la veille. Peut-être du dépôt des candidatures, je pense que ça allait mais plus catastrophique. On n'en est pas loin, hein. Il y a juste 15 mois qui nous séparent de la présidentielle. Oui, alors Paul Micky, comment vous analysez en tout cas tout ce qui se passe au sein de ce parti avec, j'allais dire, cette opposition hein, interne entre Eddy Kombouyego et Kadré Désiré Ouédraogo? Alors, de mon point de vue, il y a deux grands volets. Le premier volet, c'est la question de la violence. Tel qu'on a constaté dimanche au stade du 4 août, c'est vrai que c'était le CDP, des militants du parti qui sont allés empêcher la tenue d'une réunion du parti. C'est pas du tout joli à voir, mais au-delà du CDP, il y a eu d'autres cas de violence dans certains autres partis politiques au Burkina qu'il faut déplorer. Et c'est le moment, de mon point de vue, de mettre tout en œuvre pour éviter que 2020 soit une année de violence en politique. Parce que si on y prend garde aujourd'hui, l'escalade de la violence peut se poursuivre dans les prochains mois, parce que là, ce n'est qu'un début. Et je crois que tous les acteurs sont impliqués. Et pour régler ce problème, de mon point de vue, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est la question de la justice. Il faut sanctionner tous ceux qui sont rendus coupables justement de ces actes de violence, aussi bien au CDP que dans d'autres partis, parce qu'on n'a pas besoin de ça au Burkina. Malheureusement, dans notre environnement politique, on constate qu'il y a beaucoup plus d'opposition forte à l'intérieur des partis que d'opposition entre partis politiques. C'est une analyse que j'ai faite. Maintenant, le second volet, c'est essentiellement sur le plan politique, en ce qui concerne le CDP, puisque nous avons invité à parler de ce parti. Il se trouve qu'il y avait une fissure qui était d'ailleurs visible au sein du parti depuis la veille du congrès de 2018, congrès de mai 2018. Et on a eu des élections pour désigner le président du parti. Pour l'une des rares fois, on se rappelle que du temps de Blaise Compaoré, il n'y avait pas d'élection pour désigner qui est candidat et qui est président du parti. Et souvenez-vous que c'était une liste qui venait directement de Kossiam, qui était donc validée et chacun se levait parti parce qu'en réalité, il y avait un personnage central qui jouait donc les premiers rôles. Mais pour une des rares fois, il y a eu un vote démocratique au sein du CDP. Ça montre aussi que quand il y a une élection de ce genre, on a cette fissure-là. Il y a les gagnants et il y a les perdants. Les perdants auraient dû se ranger calmement et faire un recul de bélier quitte à revenir. Mais malheureusement, ils se sont plongés dans une dynamique de combattre toujours le parti, de combattre le premier responsable qui est Eddy Kombouyego et de combattre d'ailleurs même l'existence même du parti. C'est ce qui est un peu dommage. Et entre-temps, il y a eu un candidat indépendant qui s'est déclaré. Donc, on a constaté également. Et mais le CDP passe le temps à dire que la candidature donc, de Kadré Désiré Ouédraogo n'est pas celle donc, mais ça, c'est connu, du CDP. Ça, c'est connu, c'est pour ça que je parle de candidat donc, indépendant. Il est candidat aux élections, mais pas pour le compte en tout cas du CDP. J'en conviens, c'est pour ça que je parle de candidat indépendant. Et en plus, d'ailleurs, Kadré Désiré Ouédraogo lui-même l'a dit, il n'est pas le candidat du CDP. Mais il a dit, il a fait part de son intention d'être candidat à la présidentielle. Ce n'est pas du tout un problème de mon point de vue. Mais là où il y a problème, c'est qu'il y a des caciques du parti qui se sont vite alignés derrière lui. Et lorsqu'on regarde ces caciques du parti, ils font tous partie du clan des perdants des élections de 2018 là, et pour le congrès à la désignation donc, du président du parti. Donc en réalité, il s'agit là, ils se sont retrouvés malheureusement dans un rôle de mauvais perdant. Mais tout ça, ce n'est pas du tout un problème de mon point de vue. Ils auraient dû donc rester là. Mais le problème, à mon avis, c'est le combat qu'ils mènent contre le parti à travers et d'abord ce recours en justice. Tout à fait d'accord que c'est tout à fait démocratique, mais lorsqu'on rentre dans les détails, on se rend compte que ceux qui le reprochent au CDP, à la direction du CDP, ils ont eux-mêmes contribué à le faire parce qu'on nous dit qu'il y a certains d'entre eux qui ont même apporté des listes pour gonfler le nombre des bureaux politiques nationaux jusqu'à ce qu'on se retrouve à 1008 membres au lieu de 600 comme ce qui était prévu par les statuts, le texte du parti. Et derrière ça, c'est eux qui combattent encore cette décision. Et ils ont gagné, entre guillemets, en justice, puisqu'ils ont empêché, ils ont réussi à empêcher la tenue de ce congrès qui a été reporté en attendant que le parti se conforme à leur texte. Mais justement, également, est-ce que vous pensez qu'on pourra résoudre ce problème-là par la justice, que le CDP pourra tenir son congrès extraordinaire et que soit on va peut-être
réduire le nombre de membres du bureau politique national ou bien qu'on va toiletter les textes et les rendre conformes au bureau qui existe. Est-ce que ce congrès-là pourra se tenir finalement pour régler cette question? Je crois que le congrès va se tenir. D'ailleurs, quand on regarde le congrès en préparation, il y a des réunions qui se multiplient, je crois bien, pour la tenue de ce congrès. D'ailleurs, je pense que la décision de la justice est venue simplement accélérer les choses. Parce qu'il était prévu une première rencontre, un premier congrès pour toiletter les textes du parti, pour se conformer au statut. Donc la décision est venue simplement précipiter les choses, on a empêché la tenue de ce congrès. Et après la décision de justice, des rencontres ont eu lieu justement pour conformer le bureau politique national au texte du parti. Et c'est cette rencontre-là, l'une de ces rencontres en tout cas, qui a été violemment empêchée. En tout cas, c'était une tentative qui a échoué puisque la rencontre est allée jusqu'à son terme au niveau du stade 4 dimanche dernier. Donc en réalité, on se retrouve dans une situation où on a des perdants du CDP qui sont dans une dynamique de combattre le parti jusqu'à ce qu'il aille à l'explosion. Et je crois qu'il y en a qui l'ont dit clairement qu'il va falloir donc que même si le parti doit exploser pour que Eddy Kombogo ne soit pas le candidat officiel, ça le sera. C'est pas moi qui le dis. Donc ça montre un peu la dynamique qui est en train de se vivre au sein du parti. De mon point de vue, la logique aurait que ces gens qui ne se retrouvent plus en odeur de sainteté avec Eddy Kombogo ou avec la direction du parti se retirent simplement et puis créent un autre parti comme l'ont fait d'ailleurs ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, Bilgo. Oui, en fait, moi ça me fait un peu sourire ce qui arrive au CDP. Et je pense que l'origine de ça, c'est la patrimonialisation de nos partis politiques au Burkina. C'est-à-dire que les partis politiques sont gérés comme des entreprises familiales. Et puis le jour où le patriarche n'est plus là, ça devient compliqué de se faire la gestion sienne de manière cohérente. Donc on vend les actions et on partage entre les fils du pays. Que c'est naturel aussi, on le voit ailleurs, lorsque les leaders ne sont plus là, il y a une guerre de succession. C'est paradoxal. C'est pas parce que ça se passe ailleurs que nous ne devons pas travailler à bonifier notre système intérieur. C'est paradoxal parce que là, le parti politique est fondé par une idéologie. C'est l'adhésion à l'idéologie, pas l'adhésion au propriétaire du parti, ni au créateur du parti. Le président fondateur. C'est pas ça. Donc le paradoxe est là en fait, en réalité. Si on crée des partis politiques, c'est pour rendre ces partis politiques là disponibles et accessibles à la masse, par rapport à l'idéologie uniquement, pas par rapport à notre tronche ou à notre gueule. On doit même travailler de sorte à ce que quand on n'est pas là, le parti persiste, résiste et perdure. Prenez le parti de Kizerbo. Où est ce parti aujourd'hui? Pourtant, ce parti était fondé sur une idéologie assez forte. Allez-y relire leurs textes. Ils avaient une proposition pour la nation. Et donc, il faut qu'on travaille justement à dépatrimonialiser nos partis politiques. Ensuite, pour le cas du CDP, pour le moment, moi, je vois deux camps. Il y a un camp qui reste dans le parti politique, légitimement élu, le camp de Eddy Kombogo, qui tient les rênes du parti et qui reste dans ce camp. Et il y a un camp de dissidents, le camp de Kadré Désiré Ouédraogo. Et même ce camp-là n'arrange pas Kadré Désiré Ouédraogo, qui, pour moi, a un bon profil pour aller aux élections. Mais le fait qu'il soit au diapason des textes du parti politique ne l'arrange pas du tout. Et cette situation a permis aux populations... Est-ce que c'est pas normal? Parce que partir Kadré Désiré Ouédraogo peut-être pourrait créer un parti politique, mais ce parti peut-être n'aura pas la même grandeur peut-être que le CDP aller aux élections peut-être sous l'effigie du CDP. Ça peut changer beaucoup de choses. Monsieur Sayo, vous venez de donner une vraie raison d'ailleurs de ce qui se passe. Vous venez de toucher du doigt, comme si vous étiez même au sein du CDP, au cœur de l'action. Dans ce cas, que Kadré Désiré Ouédraogo crée son parti pour ne plus prendre les mauvais points de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'arrange pas du tout. Ça ne l'arrange pas du tout ce qui se passe. Et ou soit, il revient à l'intérieur du parti, et bien qu'il aille à des primaires. Et qu'il batte tous ceux, parce que Eddy n'a pas encore dit qu'il sera candidat, et qu'il batte tous ceux qui voudraient être candidats. Et dans ce cas, ça lui donne une légitimité suprême et absolue au sein du parti pour aller en campagne avec l'appareil. Ça veut dire tout simplement que pour bénéficier de l'appareil du CDP, il y a un sacrifice. Mais ça se sursure déjà que Kadré Désiré Ouédraogo voudrait en tout cas créer un parti. Ouais, c'est au conditionnel qu'on dit ça. Le nom même circule dans la presse. On parle du CNP, crois. Est-ce que ça serait la solution finalement? Non, mais c'est peut-être pas la solution pour le camp Kadré, mais c'est l'alternative qui se présente de mon point de vue à eux. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être dans un parti, combattre la direction du parti de cette manière, souhaiter que le parti tombe et puis devenir quelqu'un. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre en tout cas cette dynamique. Est-ce qu'ils veulent que le parti tombe?
famille. Non, mais ils l'ont dit. Il y en a qui l'ont dit. Si vous lisez dans la presse, il y a certains caciques du parti qui l'ont dit qu'ils vont. Si le parti va exploser, ça n'a qu'à exploser pour vous que l'autre ne soit pas candidat. Ça, c'était des propos. Et moi aussi, j'étais cadré. J'ai calme ces personnes-là. Justement, le problème, c'est que ce sont des gens qui sont autour des cadrés qui. Mais c'est malheureusement aussi la force de cadrer. C'est une force négative. Mais ce sont des gens politiquement. C'est pas une bonne image. Et enraciné. Je vous renvoie au cas de violence. Est-ce que vous pensez que Kadri Désiré Ouédraogo, qui est un homme d'État, j'en conviens, qui a été premier ministre du Burkina, qui a été président de la commission de la CDAO, qui a une belle carrière internationale, et va s'entourer de personnes qui vont se saisir de Gourdin, aller donc empêcher la tenue d'une rencontre au Sénégal? Rien ne dit que c'est eux. Je ne dis pas que c'est eux. Dans tous les cas, on n'a pas dit que c'est eux. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a. J'ai appris qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte et on espère bien que ça va aboutir à des choses. Mais la lecture qu'ils ont fait, on peut même mettre son doigt au feu pour dire que ce sont des gens qui se réclament de l'autre camp parce qu'on sait que le parti est divisé pour le moment, en tout cas en deux camps essentiels, même s'il y a une troisième larron, semble-t-il, et qui profile à l'horizon. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut promouvoir en matière politique au Burkina. Et je crois que si on a ce combat à l'intérieur du parti, ça montre en même temps que le CDP reste encore un gros parti. Vous n'allez pas imaginer un tel combat dans les petits partis. Je n'ai pas cité d'exemple où on peut se permettre d'aller débusquer des gens qui sont en réunion au stade du 4 août. C'est le propre des grands partis, dont le CDP reste encore un grand parti. On le classe comme étant la troisième force politique. Peut-être que c'est la deuxième, je n'en sais rien, à l'absence de sondages ou de résultats d'élections. Mais il faut faire en tout cas très attention pour que l'on ne bascule pas complètement dans la violence. Et partant du cas du CDP, on espère qu'on va sortir de là. Et peut-être l'idéal aurait été que ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la direction du parti claquent la porte politiquement et qu'ils aillent donc faire valoir leur militantisme dans nos partis. Mais ils ont le droit aussi de se battre pour. Mais le CDP, il a dit, c'est un parti, mais beaucoup de partis sont une émanation, sont sortis du CDP. Vous savez certainement qu'il y a eu beaucoup de démissions avant même l'insurrection et même après l'insurrection, et avant l'insurrection notamment, et parlant du MPP qui est sorti du CDP, avant le MPP, d'autres partis sont sortis donc de ce même parti. Donc on peut peut-être continuer à le faire, mais il se trouve que c'est un parti également qui a une certaine assise au niveau des régions et il y a que le parti récemment a montré sa force de mobilisation à travers les récentes sorties d'Edu Kombogo. Je crois que c'est ça qui fait un peu, qui crée un peu cette jalousie entre guillemets, et je conviens avec vous et puis avec M. Bilogo et que ce sera peut-être pas une bonne chose pour eux de claquer la porte maintenant. Voilà. D'accord. Alors on va avancer dans ce débat. Il nous reste à peine 15 minutes avec deux sujet sur la table. Alors, on va parler très rapidement donc de cette sortie médiatique du procureur du Faso qui s'est exprimé par voie de presse sur certains dossiers de justice. Maïsa Sérémé a donné des explications, en tout cas sur la convocation et l'incarcération de l'artiste Rama Laslamez, les affaires impliquant certains membres, certains anciens membres donc, du gouvernement, notamment Simon Compaoré, Jean-Claude Bouda et le ministre Idani. L'affaire Dabo Boukari a également été évoquée donc, concernant Rama Laslamez, dont la convocation a fait beaucoup de bruit, en tout cas sur les réseaux sociaux. Le procureur a expliqué qu'elle a été auditionnée et inculpée donc, pour blanchiment des capitaux et pour les faits de rébellion, d'atteinte à la vie privée, de menace sous condition, de menace de mort, d'outrage à agent et de discrédit sur un acte judiciaire. Alors, mais pour beaucoup, en tout cas de ses supporters et de ses partisans, il s'agit tout simplement d'un règlement de compte d'une injustice. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, Bilgo? Moi, j'avais prié Dieu ne pas avoir à me prononcer sur l'affaire Rama Laslamez. On aurait tous voulu en tout cas s'en passer, mais c'est un sujet d'actualité. Oui, le procureur en a parlé et ça me dit que ça a une certaine importance. Et comme le procureur, dans son discours, a donné beaucoup d'ingrédients, je vais choisir les ingrédients qui ne concernent pas Rama Laslamez. Et dans ces ingrédients, justement, le procureur... C'était le premier point de la conférence de presse. Oui, mais bon, voilà. Le procureur dit que, pour ce qui il nous éclaire, et c'est très important, et je pense que la justice burkinabé gagnerait justement à donner beaucoup plus d'éléments au public pour qu'on comprenne certaines lenteurs, pour qu'on comprenne certaines inactions, pour qu'on comprenne certains blocages. Ça fait que, en réalité, la population comprend mieux sa justice et sait ce qui se passe. Et moi, je viens de découvrir, et avec bon nombre de mes amis aussi, que les dossiers concernant des membres du gouvernement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devra justement permettre la continuité des actions judiciaires vis-à-vis de la mise à l'accusation devant la Haute Cour de justice. J'avoue que j'ai été un peu choqué. Et moi, je trouve que
pour ce genre, en tout cas si on veut travailler de toute transparence et mettre aussi la pression sur certains de nos dirigeants, certains responsables, quant à leur probité, à leur exemplarité et surtout au travail conforme au règlement de la nation, il faudrait faciliter aussi leur mise en accusation sans passer par le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on sait très bien, et je comprends mieux pourquoi tous les partis politiques se battent pour avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et on comprend bien que si on attend Bala Sakandé pour livrer Bouddha, ben alors là, on peut attendre Simon longtemps. Compaoré, on dira Anatana Godo. Je ne sais pas si vous connaissez... Bien sûr. Oui, mais est-ce que ça va arriver, justement? Est-ce que peut-être Bala Sakandé, le président de l'Assemblée nationale, va un jour décider, en tout cas, de saisir la Haute Cour de justice pour ses affaires? On pourrait poser la question autrement. Pourquoi depuis le temps, il ne l'a pas fait? C'est tout. D'accord, alors, oui, Paul. D'abord, je me réjouis de voir que vous avez rectifié le lapsus en introduction de cette émission parce que vous avez parlé de médiateur du FASO, là où il fallait parler de procureur du FASO. Oui. Alors, ça se comprend, hein, ce sont des sœurs et puis en plus, ce sont des présidents d'institutions. Mais je pense que, comme Bilgo l'a dit, c'est une sortie qui, moi, me réjouit dans un premier temps parce qu'il est important que la justice communique. Il y avait même des dossiers qu'on était en train d'oublier parce qu'on était prêt à dire justement que c'est une preuve de plus que la justice n'est pas indépendante ou qu'elle est manipulée. Mais ce communiqué du procureur du FASO vient justement éclairer la lanterne des autres sur le fait que les dossiers ne sont pas en train de dormir. L'important ici, c'est d'expliquer qu'il y a un certain nombre de dossiers, un certain nombre de poursuites, notamment celle à l'encontre des membres du gouvernement, du président du FASO, ça relève de la Haute Cour de justice. C'est un rappel, parce que les Burkinabés doivent se souvenir effectivement que dans le cadre de l'insurrection populaire, le dossier de l'insurrection populaire, il y avait un pan de ce dossier qui était géré, et qui est géré toujours par la Haute Cour de justice, notamment la mise en accusation des membres de l'ancien gouvernement, le dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré. Donc ça, c'est suffisamment connu. Le rappel était opportun sur le cas de Jean-Claude Bouddha, le cas de Simon Compaoré, etc. Donc, le procureur a pris soin justement de rappeler que, voilà, il y a des choses de l'Assemblée nationale de faire la suite du travail. Bon, ça pose un problème politique, mais c'est le droit qui le dit ainsi, parce que c'est quand même dans nos textes que pour les poursuites de cette nature, ça relève de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale qui fait donc la mise en accusation et la Haute Cour de justice en saisit. D'ailleurs, on l'a fait lorsqu'il était question justement des membres de l'ancien gouvernement. Maintenant, ici, à mon avis, bon, ça devait pouvoir se faire, hein, parce qu'il y a quand même une plainte formellement déposée pour le cas de Jean-Claude Bouddha. Je crois que c'est le Rennes Lac qui a déposé la plainte du réseau national de lutte anticorruption. Pour le cas de Simon Compaoré, il y a également une plainte qui a été déposée par Séphirin Diabré dans le phénomène Tranquillos. Rappelez-vous justement que la plainte... D'ailleurs, on était en train d'oublier. Moi, j'étais de ceux-là qui disaient chaque fois quand j'avais la chance de rencontrer un membre de l'opposition ou même Séphirin Diabré en personne, je demandais où en est-on avec cette plainte justement qui a fait le buzz à un moment donné. Est-ce que ce n'était pas une campagne de communication? Parce qu'on a vu justement Séphirin lorsqu'il a été convoqué. Il s'est rendu à la gendarmerie avec un certain nombre de militants, ça a fait le buzz. Mais après, on ne parle plus de ça. Mais le procureur était très bien inspiré de communiquer en ce moment précis pour dire que le dossier a été traité par le tribunal de grande instance et que ça a été transmis justement au niveau de la cour d'appel. Et le processus est toujours en cours. Idem pour le dossier d'Abo Bokari, parce que quand même là, l'information également est venue dans ce communiqué où on a dit que c'est complètement clos au niveau du tribunal de grande instance et que ça atteint un niveau supérieur. Ça ne relève plus du TGI de Ouagadougou, mais d'un niveau un peu supérieur, en tout cas dans l'ordre hiérarchique des juridictions que nous avons. Et dans le même communiqué encore, le procureur a pris soin de dire qu'on ne peut pas tout le temps communiquer sur tous les dossiers et à tout moment. Oui. Et c'est ça qui est important. Je pense que ça permet à l'opinion de savoir pourquoi on ne dit pas tout sur tous les dossiers, parce que ça peut brouiller les pistes, ça peut empêcher justement la poursuite normale des procédures judiciaires, ça on convient. Mais s'il y a des communiqués de cette nature, de temps en temps, ça permettra de renforcer la confiance entre la justice du Burkina et les justiciables. En tout cas, le contenu du communiqué, de mon point de vue, était tout à fait bien donné, même s'il y en a qui ont vu justement un coup de communication du procureur du FASO, qui est d'ailleurs sur le départ, rappelez-vous, qu'elle avait demandé à se dessaisir de sa fonction et qu'elle pourrait être remplacée incessamment et par un qui est déjà formellement désigné. Oui, moi je salue cette santé médiatique des autorités judiciaires. Ce qu'on peut retenir, comme Bilgo l'a dit, c'est que il y a deux façons de dire le droit quand il s'agit d'un citoyen lambda que quand il s'agit d'une autorité. Ça me fait penser encore à la justice militaire. Vous voyez que dans le projet même de la nouvelle constitution, on veut maintenir
voilà, l'ordre, la justice militaire à part. Alors que je pense que la justice devrait être une pour tout le monde. Indépendante. Voilà, on voit que c'est l'intrusion un peu de la politique dans le judiciaire. Ah, oui, oui. L'indépendance qu'on réclame tant doit aussi pouvoir se lire dans l'organisation des instances judiciaires. Mais on voit que là encore, on a roulé le peuple parce qu'on ne peut pas inquiéter un membre du gouvernement comme on inquiéterait n'importe quel citoyen. Ça pose problème. On sait qu'ils ont des responsabilités et ils ont des prérogatives, ils ont des avantages et une certaine immunité pour leur permettre de bien travailler. Mais comme les députés, ce n'est pas aussi... mais c'est pour leur permettre de bien travailler, ce n'est pas pour pouvoir se réfugier et commettre des actes qu'on ne peut pas demander à ce qu'ils les rencontrent. Oui. Mais moi, j'aimerais dire un mot quand même sur Rama, la flammeuse. Vous ne bottez pas en touche, hein, non, sur pas cette du affaire. Tout. Parce que ce qui est intéressant, voilà, c'est une self-made woman, à dire, elle s'est faite une publicité elle seule. On ne sait même pas si tout ce qu'elle dit est vrai ou pas. En tous les cas, ça vient saturer l'actualité. Et ça vient nous distraire. Distraire toute l'opinion nationale par rapport à nos préoccupations. Je pense que c'est un phénomène aussi qu'il faut étudier et pouvoir écarter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, je suis d'accord avec ce cabinet quand il dit ça. Mais bon, vous savez que nous sommes dans un pays d'opinion. On a vu malheureusement que cette histoire de Rama Laslamé a pris le dessus sur l'opinion. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui a obligé le procureur à communiquer. Sortir, oui. Sinon, en réalité, il y a plusieurs cas pareils. Tous les jours, les juges ne font que des inculpations, des menaces, des mises sous mandat de dépôt tous les jours. Mais bon, comme l'opinion s'est saisie de cette affaire et qu'elle-même a tenté de faire le buzz autour de son affaire, il aurait fallu effectivement que le procureur se justifie. Cela d'autant plus qu'il était dit à un moment donné qu'on lui faisait la force et qu'elle a été convoquée pour blanchiment de capitaux, elle a été incarcérée pour d'autres motifs. Mais dans le communiqué, l'intérêt ici, c'est de nous apprendre effectivement qu'elle a été inculpée pour blanchiment de capitaux, mais aussi voilà, pour d'autres dossiers pour lesquels elle était poursuivie depuis plus d'une année. Donc en réalité, bon, je comprends l'attitude du procureur de façon. On ne va pas rentrer, oui, dans le débat. Que c'est strictement inutile et que l'objectif, c'est de nous distraire. Il ne faut pas que l'on perde de vue l'essentiel parce que l'histoire, par exemple, de Charbon Fin, c'est un scandale national qui devrait passer en premier par rapport à ses mesquineries d'artistes. Oui, justement, en tout cas, le procureur du Faso en a parlé et selon elle, en tout cas, le dossier suit son cours. Il y a eu déjà donc des auditions. Donc, autour de ce dossier, on attend de voir à la suite. Bilgo, en 30 secondes, vous voudrez réagir. Moi, je voulais plaider justement pour qu'on rende la justice accessible, que l'on soit ministre ou que l'on soit chanteuse ou que l'on soit menuisier ou journaliste, de sorte que tous les Burkinabés se sentent en même temps protégés par la justice, mais se sentent aussi menacés par cette justice-là pour se conformer et marcher de façon exemplaire. On dit que dans notre constitution, tous les Burkinabés naissent libres. En droit, moi j'aurais dit tous les Burkinabés naissent libres en tout. D'accord, libres et égaux. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Alors, on va peut-être fermer ce chapitre ici et puis parler très rapidement donc de ces mouvements sociaux que nous avons vu tout au long donc de cette semaine qui a été marquée par des grèves. Hein. Alors, dans divers secteurs du privé comme du public, on a vu la marche des administrateurs civils, on a vu donc l'entrée en mouvement de plusieurs syndicats de la santé qui rejoignent ainsi donc le SINCHA. On a vu les secrétaires donc qui ont observé une grève de 72 heures pour exiger du gouvernement de meilleures conditions de travail. On a vu les travailleurs de la poste du Burkina qui ont observé un sit-in de 24 heures le vendredi dernier. On a vu des boulangers qui menacent donc de rompre le pain. Alors, on se demande si tout, donc, dans ce contexte, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, est-ce que ce sont les travailleurs qui réclament trop, qui demandent trop au gouvernement, ou bien ce sont donc les gouvernants, en tout cas, le pouvoir en place qui n'arrive pas à maîtriser et gérer donc convenablement à tous ces mouvements sociaux. Paul Miki. Je crois que la liste est beaucoup plus longue que celle que vous peut-être que demain, il y aura d'autres corporations qui vont rentrer en mouvement. Et comme quelqu'un l'a dit, il ne reste que la sirène de ceci à s'associer pour également observer un mouvement d'humeur. Mais moi, je pense qu'il y a une ressemblance un peu entre cette fronde sociale et le terrorisme. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais en réalité, là où il y a rapprochement, c'est qu'on est en train de s'inscrire dans la durée. Comme on l'a dit pour le cas de la
lutte contre le terrorisme, on risque de s'inscrire également dans la durée avec cette fronde sociale. Parce sans que dire que le début, les frondeurs ou les travailleurs sont des terroristes. Pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la similitude, c'est l'inscription dans la durée. Okay. Tout comme on l'a dit pour le terrorisme. Voilà. Donc, parce que simplement, nous sommes dans une dynamique où on a connu depuis 2007 des mouvements sociaux qui ont été rapidement géré, avec beaucoup de satisfaction. Les autres ont pensé, bon, si c'est bon pour mon voisin, ça devrait être bon pour moi également. Donc tout le monde est rentré en mouvement. Le gouvernement a eu l'ingénieuse idée à un moment donné de dire qu'on va arrêter tout cela en nous référant justement à une conférence publique sur la remise à plat des systèmes de rémunération des fonctionnaires. Moi, j'étais de ceux-là qui pensaient qu'effectivement, c'était la solution pour mettre fin à ça, parce que je reste convaincu que le problème du Burkinabé, et c'est l'injustice. Ce n'est pas ce que je gagne qui m'intéresse, c'est ce que l'autre gagne de plus que moi. C'est ça qui me révolte le plus. Donc c'est cette injustice-là qui a amené les gens à rentrer en mouvement. Et surtout quand on a vu que les gens sont rentrés en mouvement, ils ont eu gain de cause. Bon, si tu t'assois, c'est pour toi qui s'en va, comme diront les Ivoiriens. Donc chacun s'est levé, on est rentré dans ce mouvement. Mais à un moment donné, on a vu effectivement que cette affaire de rémunération, on a l'impression que ça n'avance pas trop. On avait prévu une conférence de restitution qui n'a jamais été reprogrammée. Et il y a Fin mai, je crois. Voilà, fin mai, on est déjà en juin, bientôt en juillet, on ne voit rien venir. Et déjà qu'on a vu des gens, notamment les syndicats des magistrats, qui ont déjà écrit une lettre suffisamment salée et pour dire qu'ils ne sont pas prêts à céder une seule portion dans cette histoire de rémunération à partir d'une simple invitation à participer aux travaux. Donc ça montre jusqu'à quel point les positions sont figées, et je crois que c'est ça qui explique le fait que les uns et les autres se soient levés encore pour revendiquer. Oui. Maintenant, si on ne siffle pas, on a moins de deux minutes pour terminer. On risque donc de continuer dans ça. Alors, Paul Miki a parlé donc d'un aspect assez important, en tout cas pour moi, la conférence donc sur le système de rémunération des fonctionnaires. Il y a eu aussi donc la création de ce haut conseil de dialogue social qui était censé en tout cas être comme un tampon ou en tout cas une sorte de centre, oui. En tout cas, dans lequel on allait juger, en tout cas, discuter de tous les problèmes des syndicats et puis trouver des solutions au lieu d'aller en grève tout azimut. Mais on a l'impression que les deux, finalement, ne marchent pas. Le Haut Conseil a été créé avec beaucoup de débats autour. Mais finalement, ça n'a pas permis en tout cas de calmer donc, cette fronde sociale qui est en ébullition. Ça veut dire que le problème est plus profond en fait qu'un simple haut conseil. C'est un coup d'épée dans l'eau. Le Burkina est sclérosé. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la fonction publique burkinabé ou l'administration burkinabé, moi je considère toujours que c'est une administration issue du legs colonial qui n'a pas fait un peu sa modernisation ou son coming out pour être conforme justement aux besoins endogènes de nos sociétés. En 1984, le Burkina comptait 7 millions d'habitants. En 2019, aujourd'hui, nous sommes 19 millions et quelques d'habitants. Quand vous prenez les secteurs, les différents secteurs, et que vous comparez la multiplication de l'administration publique ou des structures administratives publiques proportionnellement à l'évolution de la population, il y a un manque à gagner, il y a un gap. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a arrêté de travailler et on s'est lancé dans une espèce de gabegie et de rhétorique en fait populiste et populaire au lieu de résoudre les problèmes des Burkinabés. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je crois, c'est de remettre à plat justement cette question de la rémunération de la fonction publique, remettre un nouveau code et un nouveau processus, et c'est ce que j'appelle le nouveau contrat social. Signer ce contrat social-là et remettre toute la nation au travail. Il y a des gens aujourd'hui, leur per diem, ne serait-ce que dans les missions, dépasse leur salaire de base. On ne peut pas vivre comme ça. Et le jour qu'on diminue vos missions, eh ben vous perdez. Si bien qu'on est obligé d'inventer des missions pour vous permettre de maintenir vos salaires et d'inscrire vos enfants à l'école. Ce système de rémunération ne peut plus prospérer. Ce n'est plus possible. Il faut augmenter le salaire de base des salariés pour pouvoir justement permettre une continuité ou en tout cas aux différents salariés d'assouvir leurs propres besoins parce que la vie est devenue chère. D'accord. Alors, la lumière qui veut nous lâcher, oui, c'est pour nous dire qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui. En 30 secondes, très rapidement, il faut dire aussi qu'il y a des efforts qui ont été faits pour démocratiser un peu l'électricité et les nouveaux moyens de communication. Mine de rien, je pense que ça a un peu élargi la vie citadine avec ses exigences. Les besoins se sont accrus. Et donc, les moyens qu'on a mis à notre disposition ne suffisent pas. Et de l'autre côté, il y a l'exploitation des ressources minières qui ne profitent pas réellement qu'à quelques individus. Et comme il a dit, lorsque vous comparez ce que vous faites et ce que l'autre fait par rapport à ce qu'il gagne, comparez ce que vous... C'est ça qui révolte. Donc, je pense que la transition avait vu juste en essayant de remettre à plat ces parties de là.
remettre à plat les rémunérations. Peut-être que non, l'expression... Mais je pense que c'est une idée hein, du gouvernement ouais, MPP. Mais ça a commencé parce que le ministre de la Fonction de l'époque, Augustin Louada, avait été reçu à Sidoya. On lui avait posé nos préoccupations. Il a dit, mais supposons qu'on accorde le statut particulier à tout le monde. Finalement, c'est la fonction publique qui va s'appeler statut particulier. Ça n'a pas de sens. Il pense qu'il faut effectivement revoir les rémunérations. Il avait un projet dans ce sens et ça a été poursuivi. Je pense que mais les positions sont figées aujourd'hui. Les positions sont figées aujourd'hui. Mais je pense que finalement, on va aller à la remise à plat, mais de façon isolée. Parce qu'il va falloir satisfaire chaque corps professionnel. Sinon, les mouvements vont se poursuivre. C'est la question du train de vie de l'État voilà. Qui doit venir qui doit, oui, ça doit commencer par là-bas. Ça doit donc commencer par là-bas. Le train de vie de l'État avant tout. Voilà, des fonctionnaires de l'État. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci en tout cas à tous pour vos différentes contributions. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Aimé Kambiké des éditions Sidoya, avec Paul Miki Wamba, donc de la radio Waga FM, avec Lionel Bilgo de Teminiyis Media. Merci à tous pour vos différentes contributions. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut.